Bien-aimé, ici on demande d'écouter les conseils. Et de recevoir l'instruction. Afin que nous soyons sages dans la suite de notre vie. Ce qui est important, c'est l'avenir. Donc nous allons relire Acte 13. Nous avions lu le 22e et le 36e vers. La Bible dit, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes volontés. Au verset 36, il est dit, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la volonté. Bien-aimé, David a été qualifié comme étant l'homme au cœur de Dieu. David a tanisamaki lokola moto azoba disama posa ya motema na nzambi. Bien-aimé, l'Éternel avait rejeté Saoul. Yahweh Nzambe a kwakisaki Saoul molinga mi. Il n'avait pas un cœur compatissant. Azalaki na motema ya mawate. Et Dieu a suscité David. Et Yahweh Nzambe a tungulaki David. Dieu a rendu témoignage pour David. Nzambe a pesaki likatoli pona David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Qui accomplira toutes mes voies? Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu es en train d'accomplir? Tu accomplis ta volonté ou toutes les volontés de Dieu? Bien-aimé, au verset 36, on nous dit que David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Moi, tu sais quel dessein, bien-aimé. Après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort, a été réuni à ses pères. Il est à Koufaki, Bakoureke, Pemenia, Batatawaye. Et a vu la volonté. Bien-aimé, quand on fera ton oraison funèbre, parce que nous mourrons tous. Quand on en parle, les gens ne sont pas contents. Bien-aimés, nous ne vivrons pas bien. Nous sommes des pèlerins comme l'avait chanté Alain Moloto. Il faudra qu'on te dise bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Amen. On le lit dans le livre de Matthieu. Évangile selon Matthieu. Au chapitre 25. Verset 21 et 23. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, faudra qu'en ce moment-là, le Seigneur nous tienne ce langage. Tu avais suivi sur TikTok une prophétesse. TikTok, qui parlait à propos d'une dame qui venait de mourir.
Cette dame chantait pour l'Éternel. Elle envoyait un message à sa sœur, dit à ma sœur. Ce qui se disait sur la terre là-bas était vrai. Et si tu as des ajouts, tu n'entreras pas. Ah ouais, so koza na bambakis ba biloko ko batisa. Les anges pour voir les mains, les postes, les postes. Ah ouais, so koza na ba biloko ko batisa ba batisa ko ko ta kisi. C'est cette prophétesse là qui rapportait le message. Et on se retrouvait dans la situation du verset 23 qui dit. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup en dedans la joie. Bien aimé, sois fidèle en peu de choses. Dans ta